aux poissons dans goodplanet.info du 1er septembre 2023. L'Irak vit sa quatrième année de sécheresse consécutive. Pour préserver les stocks d'eau douce, le gouvernement régule drastiquement certains usages et il s'est lancé dans une chasse aux pratiques illégales autrefois tolérées, et notamment les fermes piscicoles dont les propriétaires élèvent des poissons par milliers sans autorisation. Dans le village d'Al-Bou Mustapha, les fonctionnaires du ministère des Ressources hydriques ont remblayé les 7 bassins d'une ferme piscicole contenant 50 000 poissons qui rapportaient chaque mois entre 1 300 et 2 600 dollars aux exploitants. La fermeture des exploitations piscicoles a entraîné un doublement du prix du poisson. L'Irak compte 43 millions d'habitants et la situation hydrique est alarmante. Le débit du Tigre et de l'Euphrate a chuté à des niveaux jamais vus. Les réserves stratégiques d'eau en Irak sont à leur niveau le plus bas depuis près d'un siècle. Sur les 5000 fermes piscicoles sans permis que comptait l'Irak, la moitié ont été suspendues. La production de poissons est passée d'un million de tonnes à 190 000 tonnes. Le secteur représentait 2 millions d'emplois. Quand l'éolien alimente le fossile dans Novetic.fr du 31 août 2023. Le plus grand parc éolien flottant au monde a été inauguré le 23 août 2023 au large de la côte ouest de la Norvège. Il compte 11 turbines géantes situées à 140 km des côtes et développe 88 MW. L'objectif affiché de ce parc éolien, fournir 35% des besoins en énergie des 5 plateformes pétrolières et gazières voisines en mer du Nord pour diminuer les émissions de CO2 de la Norvège de 0,4%. En fait, il s'agit de poursuivre et de développer l'industrie gazière et pétrolière avec une petite touche verdissante qui ne trompe personne. Une étude de juin 2023 publiée par Greenpeace montre que les engagements climatiques et les promesses de transition vers les énergies renouvelables des 12 grandes entreprises gazières et pétrolières européennes prévoient de maintenir, voire d'augmenter, leur production de pétrole et de gaz au moins jusqu'en 2030. Quant à la Norvège, elle s'est engagée à diminuer de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sans abandonner les énergies fossiles. En juin 2023, elle a donné son feu vert aux compagnies pétrolières pour développer 19 champs de pétrole et de gaz, avec des investissements de près de 17 milliards d'euros afin d'accroître la production au cours des prochaines décennies. La robustesse du vivant dans ouzbekerika.com du 31 août 2023. Intéressons-nous au dernier livre du biologiste Olivier Hamant, intitulé « Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant », publié dans la collection Tract chez Gallimard. L'auteur propose d'en finir avec la performance. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Dit autrement, toute performance soumise à une mesure tend à s'auto-justifier jusqu'à aller contre son objet. Pensez par exemple au sport de compétition. Dopage, triche, paris financiers, blanchiment d'argent, la compétition l'emporte sur le sport. De même pour l'éducation, où l'objectif d'avoir les meilleures notes entraîne bachotage, triche ou passe-droit. Performance l'emporte sur l'apprentissage. À cela s'ajoute la non-durabilité de la performance. Les enzymes du corps humain, par exemple, atteignent leur pic de performance quand la température du corps atteint 40 degrés centigrades. À cette température, la mort est probable, si bien que notre organisme s'accommode fort bien du seuil moins efficace de 37 degrés. La performance étant l'apanage même des organisations fragiles, que faut-il rechercher? La robustesse. Olivier Hamant nous rappelle que l'inverse de l'ébriété n'est pas la sobriété, c'est la robustesse. Placer la sobriété avant la robustesse, c'est prendre le risque de poursuivre l'injonction de performance sans la questionner, et finalement de continuer sur la voie de l'optimisation généralisée du monde. Le primat donné à la robustesse permet de s'assurer de poser les questions alignées avec le monde fluctuant qui vient. L'air est mortel dans l'Express.fr du 29 août 2023. Selon un rapport d'août 2023 de l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago, EPIC, sur la qualité de l'air mondial, la pollution aux particules fines émise par les véhicules motorisés, l'industrie et les incendies représente la plus grande menace externe pour la santé publique mondiale. La pollution aux particules fines augmente le risque de développement de maladies pulmonaires, cardiaques, d'AVC ou de cancer. Selon les modélisations de l'EPIC, les habitants du Bangladesh, où le niveau moyen d'exposition aux particules fines est évalué à 74 microgrammes par mètre cube, pourraient gagner 6,8 ans d'espérance de vie si le seuil de pollution était abaissé à 5 microgrammes par mètre cube, le niveau recommandé par l'OMS. La capitale de l'Inde, New Delhi, est la ville la plus polluée du monde, avec un taux moyen annuel de 126,5 microgrammes par mètre cube.
Malgré quelques efforts çà et là, la multiplication des feux de forêt à travers le monde, causée par l'augmentation des températures et la multiplication des épisodes de sécheresse, provoque des pics de pollution de l'air de plus en plus critiques pour la santé. Les contentieux liés au climat ont plus que doublé en 5 ans dans new.un.org du 28 juillet 2023. Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, indique que les citoyens se tournent de plus en plus vers les tribunaux pour lutter contre la crise climatique et demandent des comptes au gouvernement et au secteur privé. Le contentieux lié au climat devient un mécanisme clé pour garantir l'action climatique et promouvoir la justice climatique. Le nombre total d'affaires liées au changement climatique a fortement augmenté. On en comptait 884 en 2017 et 2180 en 2022. Si la plupart des litiges ont été déposés aux États-Unis, le nombre des contentieux augmente dans le monde entier. Environ 17% des cas enregistrés ont été ouverts dans les pays en développement, y compris les petits États insulaires en développement. Les voix des groupes vulnérables se font entendre dans le monde entier. 34 cas ont été déposés par et au nom d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans, y compris par des fillettes âgées de 7 à 9 ans au Pakistan et en Inde respectivement. Tandis qu'en Suisse, les plaignants font valoir les effets disproportionnés du changement climatique sur les femmes âgées. À l'avenir, le rapport prévoit une augmentation du nombre de contentieux portant sur les migrations climatiques, des cas portés par les peuples autochtones, les communautés locales et d'autres groupes touchés de manière disproportionnée par le changement climatique, ainsi que les affaires portant sur la responsabilité à la suite d'événements météorologiques extrêmes. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.